Bonjour mes chers amis de Yerushalayim, Shalom Uvracha. Alors nous sommes, comme vous le savez, aujourd'hui le 12 Nissan. Et en temps normal, il n'y aurait rien eu. Sauf que cette année, vu la configuration du calendrier, comme vous le savez, normalement le jeûne des premiers-nés aurait dû avoir lieu le jour précédent, c'est-à-dire le 14, autrement dit le Shabbat. Et lorsque on avance, puisqu'on ne peut pas jeûner le Shabbat, lorsqu'on avance un jeûne, si déjà on l'avance, on ne l'avance pas au vendredi pour ne pas rentrer le Shabbat dans le jeûne, comme on l'avait expliqué en son temps, à l'exception du jeûne du dit Tevet, qui, quoique le plus petit, est sans aucun doute un des plus importants, parce que jusqu'à aujourd'hui, il peut tomber un vendredi et on maintient le jeûne le vendredi. Donc pour Ta'anit Bechorot, donc on avance au jeudi, donc aujourd'hui, qui tombe donc finalement le 12. Donc du 14 on est passé au 13, 13 étant un vendredi, donc on est passé le 12. Et aujourd'hui donc les premiers-nés sont censés jeûner, même si, comme on le rapporte la halakha, c'est un jeûne qui est reporté, donc il n'a peut-être pas la même importance, mais pour garder, on va dire, la tradition, donc on organise afin de dispenser les premiers-nés de jeûner aujourd'hui aussi, eh ben, on organise ce qu'on appelle un siyum. Un siyum, c'est la clôture d'une étude, d'un traité talmudique préférence, et à ce moment-là, puisque on peut se joindre à cette étude, eh ben, on sera dispensé, parce qu'on considère que le fait d'assister à la clôture d'un traité procure une telle joie qui l'emporte sur le fait de jeûner, en tout cas pour ce qui n'est pas un jeûne public, puisque ça ne concerne pas tout le peuple, c'est seulement les premiers-nés. Alors, quelle est l'origine de ce jeûne? Pourquoi? Alors, comme vous le savez, un texte que nous disons tous les matins, « Kadesh li kol bechor »« Sanctifie pour moi tout premier-né ». Le fils premier-né, celui qui sort de la matrice en premier, et avec des conditions très exigeantes, donc il ne peut pas y avoir de fausses couches auparavant, par voie naturelle, etc. Donc ce premier-né est sanctifié à Hachem, et comment on doit procéder? Si il appartient à Hachem, alors je dois ce qu'on appelle le racheter, ce qu'on appelle en hébreu le pidyon. Le pidyon, c'est le rachat du premier-né. Parce que normalement, le premier-né est consacré à Hachem et il n'y a pas de temple. Donc, à qui je dois le racheter? Aux représentants du temple jusqu'à aujourd'hui, même si le temple n'existe pas, ce sont les Kohanim. Et donc, la tradition veut que je rachète avec 5 pièces d'argent, 5 selaim, et il y a une cérémonie, le papa fait une bracha à Pidyon Aben et aussi Shechiyanu, parce que c'est une mitzvah exceptionnelle. Et par ailleurs, donc, c'est comme ça qu'on récupère. Alors, pourquoi le premier-né est-il plus, on va dire, kadosh, il est plus saint? Et ça remonte donc à la sortie d'Égypte, et c'est pour ça que ce jeûne est placé juste avant la fête de Pessah, lors de la dernière plaie, la plaie des Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a un très beau midrash qui dit que à ce moment-là, comme on le précise dans la Haggadah, Dieu n'a pas envoyé d'émissaire. Dieu lui-même, Bechvodo Atzmo, donc c'est lui-même qui est venu, lo alide shaliach velo alide malach. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Hachem s'est présenté, la présence de Dieu, la sainteté d'Hachem a frappé les premiers-nés égyptiens, parce que ils n'ont pas supporté, et on dit, de là on apprend quelque chose de très important, c'est que le premier-né a une sensibilité exceptionnelle à la Kedusha. Et donc les premiers-nés non-juifs n'ont pas supporté cette présence divine, et c'est comme ça qu'ils sont morts. Mais le premier-né du Ham Israël, d'Ebn Israël, a été assez fort pour supporter cette présence, et ce n'est pas comme on a l'habitude de dire que Dieu a massacré, a fait mourir. C'est pour ça qu'on parle de Makat Bechorot, et c'est la seule de 10 plaies qui s'appelle d'ailleurs Maka, parce que elle a été frappée par Dieu lui-même en quelque sorte. Et donc, en souvenir de cela, comme vous le savez, le premier-né garde une spiritualité, une sensibilité à la spiritualité qui est hors du commun, qui est au-delà de tous les autres enfants qui viendront par la suite. Malheureusement, comme vous le savez, lors de la faute du Vaudor, donc les premiers-nés ont perdu leur statut, mais pas
cette Kedusha. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, on fait le rachat des premiers-nés, parce que, quelque part, pour que ces saintetés continuent et qu'on continue à prendre conscience que les premiers-nés ont encore aujourd'hui cette sainteté particulière. Et d'après l'enseignement de nos maîtres, lorsque le temple sera reconstruit, eh ben, ce sont les premiers-nés qui récupéreront ce statut de Kohen, de Bechor, et ce sont eux qui serviront dans le Beth HaMikdash qui sera très très vite construit. En vous souhaitant une très bonne journée et d'excellentes fêtes de Pessah.